que nous avons demandé à Jérôme Solary de présenter, puisque c'est un sujet qu'il maîtrise très bien et pour lequel il est reconnu. Voilà, on a ajouté aussi démarche bioclimatique, puisque vous savez, Jérôme fait des bâtiments qui ont un caractère bioclimatique. Et ce n'est pas un sujet aisé. L'idée dans tout cela, puisque c'est des webinaires qui sont réalisés, préparés en partenariat avec Fibois Sud et les communautés, les communes forestières, l'association des communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'était évidemment d'aborder d'abord les aspects techniques du bois en tant que matériau de construction avec Olivier Gojard, également les aspects industriels, filière locale, puisque c'est aussi un matériau dans une perspective de développement durable qui est important pour une économie locale. Et mais au-delà de tout ça, le bois, c'est aussi un matériau intéressant pour des questions architecturales. Voilà, c'est souvent une dimension qui est connue, mais qui est trop peu abordée parce qu'elle est complexe, voilà, tout simplement. Donc, Jérôme nous semblait tout à fait voilà, la meilleure personne pour aussi aborder cette question-là. Voilà. Avant de passer la parole à Claire Armand de Fibois Sud, je souhaitais simplement une petite annonce en passant. Vous savez sans doute qu'il y a un concours qui s'appelle le OFF du développement durable, le OFF du DD. Ce concours vise à valoriser des bâtiments dans un certain nombre de catégories au caractère frugal, performant, confortable. Voilà, donc la date pour soumettre le dossier a été repoussée jusqu'à la fin de ce mois. Il reste encore 2 semaines. Si vous avez une réalisation à laquelle vous pensez ou un projet sur lequel vous avez travaillé qui vous semble particulièrement à propos et valorisable pour ses qualités de frugalité et sa durabilité. Voilà, merci beaucoup. Nous partons sur un. Nous allons. Voilà, nous nous retrouverons à la fin. Sachez que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez donc le revoir dans quelques semaines ou dans quelques mois sur notre chaîne, sur sans doute YouTube ou un autre réseau social. Claire? Oui, et ben, bonjour à tous. Donc moi je suis Claire Armand, je travaille pour Fibois Sud, c'est l'interprofession de la filière forêt bois en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc tout d'abord, ben, je voulais remercier Envirobat BDM de nous associer à cette webconférence. Donc sachez qu'au sein de Fibois Sud, moi je travaille sur l'accompagnement de porteurs de projets à la construction bois. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des questions à la fois sur la ressource locale, sur les acteurs locaux de la construction bois, vous n'hésitez pas à me joindre. Et j'en profite aussi pour faire un petit encart publicitaire, puisque certains d'entre vous le savent. On organise tous les ans le prix régional de la construction bois, qui est couplé au prix national de la construction bois. Et là, les candidatures peuvent être déposés dès à présent et jusqu'au 15 mars. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler si vous avez de belles réalisations bois finies depuis moins de 3 ou 4 ans. Ça doit être à peu près ça le délai. Pour en savoir plus, bah, vous pouvez me contacter ou aller sur le site prixnational-constructionbois.org. Donc voilà pour la petite pause publicitaire. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc avec une intervention de Jérôme Solary. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jérôme Solary, il est évidemment architecte. Il a fondé son atelier à Marseille et exerce depuis maintenant plus de 20 ans au sein de l'agence Solary et Associés. Il est passionné de construction bois et sensible à l'utilisation de ce matériau à travers l'histoire et les cultures. Et donc, il conçoit des lieux de vie, des bâtiments en résonance avec leur époque, qui allie à la fois technicité, sobriété, faible empreinte environnementale. Et je dirais que ces bâtiments portent aussi en eux une certaine poésie, puisqu'ils sont souvent inspirés de l'esthétique zen, que l'on retrouve aussi dans les dessins de Jérôme, pour ceux qui connaissent ses talents d'aquarelliste. Jérôme est aussi engagé dans le milieu associatif, puisqu'il est présent au conseil d'administration d'Envirobat BDM. Et donc, c'est un fervent promoteur de la construction durable. Voici pour une courte présentation. Jérôme, je te laisse la parole. Donc, juste une chose avant, pardon.
Comme vous l'a dit Jérémy, c'est intéressant de poser vos questions dans le chat. On les prendra à la fin, sauf évidemment s'il y a des questions de précision, des choses que vous n'avez pas compris. Là, on pourra intervenir en cours de présentation. Mais l'idée, c'est de garder 15 minutes à la fin. Merci, bonne conférence à tous et à toi, Jérôme. Merci Claire. Tout le monde m'entend? Vous m'entendez? Bien. Très bien. Je vous remercie d'être tous présents. Je suis ravi de vous accueillir pour vous parler de ces sujets que ce webinaire est un peu à l'initiative en particulier de Jérémy. Alors Fibois et Envirobot, bien sûr, mais c'est Jérémy qui m'a suggéré les thèmes que je vais essayer de développer, qui ne sont pas des notions forcément très faciles à expliquer comme ça en 5 minutes. Donc j'ai essayé de dérouler ça en illustrant ça par des projets de l'agence, ce qui me paraissait le plus simple et le plus explicatif. Voilà. Je ne vais pas m'étendre, je crois que je vais démarrer tout de suite et puis on poursuivra au fur et à mesure. Le bois, donc c'est vraiment l'objet de notre intervention aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Voilà. Donc le matériau bois, c'est vraiment la base de départ en fait. On part du bois. On m'a demandé de parler de ça, sauf que le bois tout seul, il fait pas ni construction ni architecture, et que pour arriver à du projet, il faut à la fois du savoir-faire, de la technique. Pour faire de l'architecture, il faut un petit quelque chose en plus. Il faut concevoir l'espace, et tout ça en fait là. Ce qui m'intéressait, après avoir un peu hésité sur la façon de présenter les choses et d'y arriver surtout, c'était d'essayer d'expliquer comment est-ce que le matériau bois, au départ, qui a été un choix un peu personnel de ma part, en quoi il a influencé mon parcours professionnel et comment il a participé à finalement structurer un peu toute ma démarche, quoi. Donc c'est cette question que je vais essayer de développer dans ce webinaire. Donc construire en bois, ben, à l'agence, on aime ça depuis longtemps. Claire l'a dit, j'ai monté l'agence en l'an 2000, en rentrant de 2 ans au Brésil, pendant lesquels je travaillais pour la mairie de Rio et je n'étais pas particulièrement sachant du bois ni spécialisé à l'époque. Mais j'ai eu la chance d'avoir une première demande que je vais vous montrer, où un petit truc, le maître d'ouvrage m'a demandé d'avoir un projet écologique. Et je lui ai proposé le bois sans trop savoir comment faire d'ailleurs. Ça a démarré comme ça. Et ensuite, il y a un certain nombre de projets qui se sont enchaînés, que vous avez un peu sous les yeux et dont je vais détailler certains. Voilà, donc on est identifié dans le milieu comme des spécialistes du bois, entre guillemets, c'est beaucoup dire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au maximum, on essaye de construire en bois dès qu'on peut. Et on va voir que souvent, c'est des accords de matériaux, hein. C'est pas, on construit en bois en majorité, mais pas que. Je disais que c'était un choix personnel parce qu'effectivement, avant de devenir architecte, je voulais être ébéniste. J'ai croisé des architectes sur ma route qui m'ont conseillé pour devenir ébéniste d'abord de faire archi, en tout cas d'aller voir du côté des architectes pour apprendre à dessiner. Et mon intention c'était de présenter l'école Boulle à Paris. Et puis une fois que j'ai mis un pied dans l'école d'archi, j'y suis resté. Voilà. Donc depuis toujours j'ai une affinité particulière avec ce matériau. Je crois que c'est un matériau qui en plus arrive au bon moment, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec toutes ces problématiques de développement durable, de performance énergétique, de recherche de confort, de développement soutenable même.
comme je crois que c'est mieux de l'appeler, le bois, pour diverses raisons et de multiples raisons, est le matériau qui convient. Et donc, ça a été mon choix assez vite, dès le premier projet. Et ça a entraîné, comme je vais vous l'expliquer, pas mal de choses. Et en tout cas, un engagement certain, quoi, de ma part. Voilà, construire en bois en Provence, ce n'était pas la chose la plus évidente. Parce que en Provence, c'est un pays de maçons, de maçons italiens surtout. Donc, il n'y a pas cette culture. On a un peu cette culture-là dans les Alpes, mais pas ici. Donc, j'ai un peu tout entendu, à vrai dire. Le bois, ce n'est pas urbain. Le bois, ce n'est pas provençal. Allez donc construire vos chalets dans les Alpes, etc. Et puis, ça brûle surtout. Hein. Les gens sont marqués par le fait qu'ici, il y a des incendies tous les étés. Et donc, le bois, c'est souvent associé au feu, en particulier en Provence et dans le sud. Voilà. Et puis, ça vieillit mal. Tout le monde sait que ça grise, que ça noircit, que c'est vilain au bout de 3 ans. Enfin, voilà. On a tout entendu et je l'entends toujours, hein, d'ailleurs. Donc, ce n'était pas un choix simple de ma part, mais finalement, je pense que ça a été une chance pour moi. C'est un matériau qui est utilisé depuis des siècles par toutes sortes de civilisations et qui s'est développé dans des architectures très différentes, comme on peut le voir sur ces images. Et jusque dans les civilisations les plus primitives, puisque bien souvent, les gens construisaient avec ce qu'ils avaient sous la main et le bois, c'est quelque chose d'assez facile à trouver en général, sauf dans les zones désertiques. Mais du coup, c'est quelque chose qui a été utilisé très tôt et qui a quand même donné lieu à des expressions qui sont très différentes. Voilà. Construire en bois, ça a quand même des poncifs qui ont un peu la vie dure, qu'on retrouve à chaque fois dans les discussions et dans les réactions des gens. Le chalet suisse, la cabane au Canada, il y a un peu des choses qui sont projetées, c'est très affectif souvent. J'ai beaucoup entendu que le bois, c'était pas provençal et que c'était bien adapté au pays du Nord, mais pas du tout ici, ce qui n'est pas vrai du tout. Et puis surtout, il y a ce conte de fées qui nous a fait très mal, là, l'histoire des trois petits cochons, et qui est profondément ancré dans l'imaginaire des gens. Et le bois, tout le monde le sait, le loup souffle dessus et le fait exploser, comme la paille d'ailleurs. Donc ça nous fait du mal. Et on a, bizarrement, c'est le poncif le plus fort qu'on puisse rencontrer. Et le plus sournois, puisque ça fait appel à l'enfance de beaucoup de monde et que tout le monde connaît cette histoire. Donc, on est souvent confronté à ça. Malgré tout, c'est un matériau qu'on retrouve dans les plus beaux projets d'architecture et chez les plus grands architectes. Je vous ai mis quelques exemples ici que j'affectionne. La Villa Maiera d'Alvar Aalto en Finlande, qui est un projet fantastique. Qui est construite en bois, mais pas que. Hein. On se rend compte souvent que le bois, c'est quand même pertinent quand il se place dans une mixité de matériaux, et c'est de plus en plus vrai. Taliesin West de Frank Lloyd Wright, j'adore cet endroit. Je trouve que c'est une expression magnifique. Et puis, bien sûr, les architectes japonais. Alors, je vais faire un petit détour par le Japon pendant ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi, mais c'est quand même des maîtres de l'architecture en bois depuis longtemps. Voilà, une réflexion sur l'avenir. On voit apparaître des immeubles de grande hauteur en bois, des tours même, dans certains pays, y compris en France, puisqu'il y a un gros programme d'immeubles de grande hauteur. Donc, on peut se demander si le matériau bois, c'est pas le matériau du XXIe siècle. Et moi, j'en suis persuadé. Aussi bien dans des expressions très grandioses comme ces quelques images que vous avez sous les yeux, mais aussi dans des projets plus modestes et peut-être plus intéressants d'un point de vue développement durable, comme ceux qui sont en bas là, et qu'on appelle les Earthships, qu'on voit se développer en France beaucoup, de plus en plus, et qui ont pris naissance aux États-Unis
avec un architecte qui s'appelle, voilà que ça me reviendra. Je suis désolé pour lui. Ce matériau, il nous renvoie malgré tout à une réalité qui s'exprime un peu par ces réflexions dont je vous ai fait part, et qui renvoie à des choses qui sont réelles, qui évoquent une certaine idée de fragilité, en fait. On sait tous que le matériau, que le bois, c'est un matériau qui peut pourrir, qui peut être attaqué par des insectes, des champignons, qui brûle. Donc c'est un matériau qui, contrairement aux autres, et c'est sans doute le seul à le faire d'une façon aussi forte, il s'inscrit vraiment dans le cycle du vivant. On sait qu'il n'est pas là pour toujours, qu'à un moment, il va disparaître. Et en cela, moi, je le trouve très intéressant parce que il fait aussi appel, donc il évoque cette fragilité, mais il fait aussi appel à une vraie force qui est celle de la croissance des plantes, de la transformation, de la fertilité, donc il y a à la fois cette image de la fragilité et en même temps d'une très grande force qui est celle de la nature à l'œuvre. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il remet l'acte de construire dans le cycle du vivant. Et pour des questions de développement durable, ça me paraît assez fondamental. Quand on parle de fragilité, là je vais faire un petit détour conceptuel, mais ça me fait beaucoup penser à ce que les bouddhistes conceptualisent comme avec ce nom d'impermanence. L'impermanence, c'est le caractère de ce qui n'est pas permanent par essence, c'est ce qui ne dure pas, c'est ce qui change. Et je trouve que parmi tous les matériaux de construction, c'est le bois qui évoque le plus ce sentiment de fragilité, d'impermanence des choses, qui s'oppose à la permanence, au pérenne, à la dureté, qui sont quand même des notions qui rassurent beaucoup les gens, en particulier quand on parle de construction. Donc, il faut comprendre que ces notions-là, elles soignent symboliquement et d'une façon assez profonde l'angoisse du changement, l'angoisse de la disparition des choses, quelque chose qui atteint assez profondément les gens et qui est souvent quelque chose qui est assez peu soit exprimé, soit expliqué. Mais c'est quand même très présent tout le temps. Et je voulais vous parler un peu du Japon parce que au cours de mes voyages, je pense que c'est là que j'ai découvert c'est un lieu, le Japon, qui a fait de cette impermanence, peut-être parce qu'ils sont très bouddhistes et très traversés par la pensée bouddhiste. Ils ont fait de ce changement une vraie culture et ça imprègne beaucoup de choses au Japon, en particulier la pensée philosophique, mais aussi la pensée architecturale. C'est une civilisation qui a élevé cette notion d'impermanence, de fragilité, de délicatesse au rang de culture et même de mythe, je dirais. On connaît tous la fleur de cerisier, qui est une époque qui est un peu le symbole de cette fragilité, de cette adoration en fait de la fragilité, de la beauté de l'éphémère. Et on connaît moins le fait que les Japonais, finalement, au fur et à mesure des saisons, chaque saison est importante et l'occasion d'une fête. On connaît bien en Europe la fleur de cerisier et ce qu'on appelle l'anami, qui est l'avènement des cerisiers en fleurs. On connaît moins la période automnale qui fait apparaître toutes les couleurs. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai découvert là-bas une vraie culture de ça et c'est quelque chose qui est intégré dans la philosophie japonaise et qui s'exprime fortement dans le paysage naturel. C'est quelque chose qui est tellement intégré que on appelle souvent le Japon le monde flottant. Alors, c'est surtout dû au fait que c'est un pays qui bouge, c'est un pays de séisme dans lequel
On a une histoire ponctuée par des tsunamis et des séismes importants. Et ça a fait que finalement, c'est devenu un élément culturel. C'est une conviction chez les Japonais de penser que le bâtiment, contrairement à ce qu'on pense en France, c'est quelque chose qui ne dure pas. Donc, il a été historiquement construit en bois, mais pour eux, c'est quelque chose de finalement assez fragile qui à un moment va disparaître. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ils attachent beaucoup d'importance au niveau de la ville japonaise, par exemple. Ce qui compte, c'est la structure des rues, l'échelle, plutôt que la permanence des bâtiments. Et c'est tellement vrai qu'il y a de très beaux projets que j'ai vus il y a plus de 20 ans quand j'y suis allé qui n'existent plus. Le symbole de ça, c'est l'hôtel qu'avait fait Frank Lloyd Wright à Tokyo, qui a été démoli pour faire place à un centre commercial qui était un de ses chefs-d'œuvre. Et c'est très, très mal perçu par les Occidentaux. En tout cas, ça permet de comprendre que cette notion de changement, elle est vraiment intégrée à la culture et qu'on la perçoit d'une façon assez différente. Donc, il y a quelque chose qui compte aussi beaucoup, c'est la question du concept spatial. On le retrouve, donc on parle d'espace formel, informel et intime au Japon. Et ça compte plus que sa formulation lui-même à travers un bâtiment. On le retrouve dans les maisons et surtout dans les maisons anciennes et dans les temples. Et on le retrouve actuellement dans des projets très contemporains. Donc, ils attachent de l'importance à cette abstraction qu'ils sont arrivés à formuler et qu'on retrouve à travers les âges, y compris maintenant. Et puis, il y a une troisième chose qui vient de cette intégration du changement. C'est le fait de se dire que ce qui est important, c'est pas l'objet qui est fabriqué, mais c'est le savoir-faire qui contribue à fabriquer cet objet. Donc, ça se traduit par la présence de ce qu'on appelle les trésors nationaux au Japon. C'est-à-dire qu'on valorise les artisans qui savent faire plutôt que leur chef-d'œuvre. Et ils sont payés par le gouvernement japonais pour exercer leur art et pour le transmettre. Et ça se traduit à Iseshima par ce temple qui se reconstruit à l'identique tous les 20 ans. Donc depuis plusieurs centaines d'années, je crois, ce temple est reconstruit et en fait, il donne lieu à la transmission du savoir-faire, de ce savoir-faire particulier de la charpente au sein des temples anciens. Et donc ça reste un savoir-faire actuel qui est très intéressant. Voilà, en France, évidemment, on a un sentiment un peu contraire, puisque quand on construit, c'est pour la vie, c'est pour l'éternité presque. On parle d'investissement dans la pierre, tout le monde le sait. Donc, il y a quelque chose d'un peu paradoxal pour un architecte de choisir de construire en bois, alors qu'on va lui demander de finalement faire les choses pour une durée très longue, pour rassurer les gens sur une sorte de pérennité, et c'est quelque chose qui est assez constant en fait et qui génère finalement une obligation pour un archi qui veut se lancer là-dedans dans la construction bois. C'est le fait de maîtriser parfaitement la technique et le savoir-faire, et qui du coup a un peu marqué mon parcours et je pense celui de mes confrères qui se frottent à ce matériau. Toujours le Japon, pour vous expliquer un peu le parcours et arriver à cette posture sur le savoir-faire. Bon, c'est un pays de forêt qui est très montagneux. On connaît souvent les villes, mais en fait, les villes s'installent dans les plaines et il n'y en a pas beaucoup. Et on a des arbres magnifiques au Japon qui ont vraiment influencé la façon de construire. Donc, un peu à l'instar de toutes les architectures vernaculaires, on construit avec ce qu'on a sous la main, et en l'occurrence des très beaux arbres. Et on l'a fait au Japon, les charpentiers l'ont fait de façon à essayer de déjouer l'impermanence des choses, et en particulier la question des séismes.
Donc, ça les a obligés à maîtriser très fortement la technique, en particulier les assemblages. On a des assemblages assez fantastiques d'un point de vue charpente et qui arrivent à se déboîter quand ils sont soumis à des séismes. Et du coup, ça a entraîné un savoir-faire de la part des Japonais qui sont devenus des maîtres dans l'art de la charpente, parmi les meilleurs au monde. Là, vous avez un petit assemblage pour vous donner un petit aperçu de ce que ça peut être, la complexité du savoir-faire que ça entraîne, ainsi que des arrachés des petits détails de temples qui montrent un peu la complexité et le saumon qui a été atteint par les charpentiers japonais. Et qui a fait que, en fait, il y a eu un mouvement de maîtrise de la technique, il y a eu une évolution de cette technique, et que cette technique, elle est allée tellement loin qu'elle est devenue un art, quoi. Voilà, et ça a été pour moi une grande découverte qui s'est un peu imposée. Alors, la quintessence de cette découverte, c'est. C'est la maison de thé. C'est un peu ce qui converge à la fois la philosophie, la culture et la maîtrise de cet art de la charpente et du travail du bois. Et pour des architectes, c'est fantastique de trouver dans des petits objets comme ça autant de savoir-faire et de minutie et de précision. Je vous recommande un jour de visiter une maison de thé. Comment est-ce que, du coup, en voulant se frotter au bois, je me suis assez vite dit qu'il fallait, à l'instar de ces charpentiers japonais, maîtriser cette technique. Le travail du bois, ça oblige à une approche au millimètre et ça ne s'improvise pas. Donc, assez vite, devant ces premiers projets, le premier étant le loft à musique que je vais vous présenter. Le challenge de ces projets, au-delà de les réaliser et de faire mon métier d'architecte, ça a été surtout de tout de suite arriver à maîtriser la technique du bois. Donc le loft à musique, c'est un petit projet à la Pointe Rouge, une extension d'une maison, d'un cabanon de pêcheur au fond d'un jardin. J'ai fait donc en l'an 2000, j'ai mis 3 ans à sortir 50 mètres carrés. Mais c'était vraiment le projet initiatique qui s'est, voilà, donc 50 mètres carrés au fond d'une cour qui a remplacé un petit atelier vieillissant. La demande, c'était la maison d'une musicienne qui voulait un lieu pour jouer de la musique, mais aussi pour l'enregistrer, pour recevoir d'autres musiciens, pour jouer ensemble. Donc elle voulait un lieu à la fois convivial, qui soit écologique et qui permettent qu'il y ait une bonne acoustique et qui s'insère dans ce petit terrain qu'elle avait. Et je lui ai proposé de construire en bois et pourquoi pas faire simple quand on peut faire compliqué, d'explorer aussi le chanvre branché. Voilà, c'est quelque chose. Bon, tout ça, c'est une histoire de rencontre, hein, à la fois le maître d'ouvrage et les artisans que j'ai rencontrés. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « mais tu devrais essayer le chanvre si tu fais du bois ». Voilà. Donc à l'époque, le chanvre, on n'en parlait pas beaucoup. Le bois, je suis allé taper à la porte des compagnons. C'est l'entreprise Martin Charpente qui a réalisé ce petit projet. On s'est assez vite posé la question de la structure. Et j'ai commencé par regarder un peu la tradition. Et j'ai finalement fait une structure poteau-poutre qui s'approche de ce qu'on appelle le colombage en technique du bois, qui est un peu plus costaud que du colombage d'ailleurs, puisque là on a du lamellé codé de Douglas. Et pour compliquer la chose, je me suis dit que comme acoustiquement il fallait quelque chose qui me fonctionne bien, on n'allait pas faire un cube et on allait faire un volume où le son tournerait un peu. Et donc on a entré en diagonale avec une charpente en arête de poisson, voilà, qui a été magnifiquement réalisée par les compagnons charpentiers et qui m'ont permis de commencer à comprendre cette culture du compagnonnage
et de commencer à rentrer. Ça a été une vraie rencontre avec les charpentiers, quoi. Et les menuisiers d'ailleurs, puisque c'est les menuisiers qui m'ont amené le projet suivant. Voilà, on a essayé le chanvre banché, ça a été de l'expérimentation. J'ai failli arrêter ma carrière avec ce projet, puisque le chanvre a mis un an et demi à sécher. Il n'y avait pas de règles professionnelles à l'époque, donc on a fait un peu avec un spécialiste de la chaux comme on pouvait. Bon, le projet a plus de 20 ans, il n'a pas bougé. La cliente est ravie. Au niveau acoustique, c'est fantastique. Donc, c'était bien d'essayer, mais ça faisait beaucoup pour un premier projet, ce qui explique un peu que j'ai passé 3 ans dessus. Voilà, j'ai aussi, évidemment, soigné beaucoup les détails. Il y avait une question d'intimité du lieu. On a fait des garde-corps avec du bambou. On a soigné un peu tout ce qui est parcours de l'eau. Donc, ça a vraiment été le projet initiatique qui m'a convaincu finalement que j'avais envie de m'engager dans la construction bois et qui m'a permis de rencontrer les charpentiers et les menuisiers. Les menuisiers qui sont intervenus là, qui est une équipe qui travaillait avec Martin, m'ont amené le projet suivant, qui est beaucoup plus gros, qui fait 400 mètres carrés, qui est une maison d'hôtes au plan d'Ops à la Sainte-Baume. Donc, une commande privée, c'était une commande d'une ancienne journaliste de France Inter qui avait ce terrain de famille, qui voulait changer de vie et donc qui a créé une activité à travers cette maison dans laquelle on trouve 5 chambres d'hôtes. Donc, projet assez classique, vous voyez, très provençal finalement, avec de l'enduit en façade. On trouve 5 chambres d'hôtes assez importantes avec des salles de bain privées, des espaces communs et le logement de ma cliente qui habite dans cette maison également. Et donc, l'idée, ça a été, de façon un peu antinomique, de pas montrer que c'était une maison en bois parce que le maire de l'époque, au plan d'Ops, était maçon et elle savait qu'il aurait bloqué le permis de construire. Par contre, elle voulait déployer le bois très largement à l'intérieur. Et donc, on s'est employé à construire cette maison avec des tas d'essence. Et ça a été construit donc par MD Escalier, qui est une équipe de compagnons menuisiers, qui m'ont donc amené ce projet. Ils sont venus me chercher pour ça, et je les en remercie, et qui ont fait un ouvrage magnifique. Alors, c'est pas… Voilà quelques images du chantier. Donc, ça a été le premier gros chantier pour moi. Ça a été l'occasion, vraiment, je me suis dit, là, il faut que tu te formes à la construction bois et en particulier à cette technique qui est l'ossature, qui est la technique la plus courante parce que c'est la plus économique, je pense, mais aussi la plus simple en termes constructifs. Donc, j'ai engagé une formation avec le CNDB, qui est la formation MBOC, qui m'a permis de maîtriser la conception et ensuite de suivre le chantier correctement. Et donc, on a enduit cette maison. Voilà quelques images de l'intérieur où on a des tas d'essences de bois différentes. Il y a du chêne, il y a du peuplier, il y a du douglas, du mélèze. Sylvie Coulon, là, qui donc dirige cette maison d'hôtes, et Villa voulait vraiment, elle connaît bien le bois, elle l'a vu dans plein de pays différents. Elle voulait que si on ne pouvait pas voir le bois à l'extérieur, on le voit largement à l'intérieur. Et c'est un lieu très agréable. Si vous cherchez un lieu pour passer le week-end, je vous le recommande. On a du bois du sol au plafond. Voilà quelques détails sur ce projet. C'est pas un projet ostentatoire d'un point de vue architectural. J'ai pas Bon, il y a quelques détails contemporains, mais l'objet, ce n'était pas de faire une prouesse d'architecture. C'était vraiment de maîtriser la construction bois, de faire un lieu qui corresponde à ce que voulait ma cliente. Et de ce point de vue-là, que voilà d'ailleurs, qui est devenue une bonne amie, une très grande amie même, et même la marraine de mon fils. Et donc, ce premier projet, ça a été une série de découvertes et vraiment l'occasion de commencer à maîtriser les choses. C'était une angoisse hein, au départ pour moi. Quand on se lance là-dedans et qu'on ne sait pas faire, qu'on nous fait confiance en plus,
on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, c'est vraiment une prise de position. Il faut maîtriser la technique, c'est indispensable. Qui dit technique de la construction bois, bien sûr, les assemblages, la structure, l'ossature, mais aussi une découverte de la façon de faire des charpentiers qui préfabriquent les murs en grande partie. Donc, je remercie aussi le bureau d'études qui m'a aidé là-dessus, hein, qui était ETEC Bois Sisteron, avec qui j'ai fait plusieurs projets par la suite. Et puis, des découvertes aussi de problèmes spécifiques qui sont le parcours de l'eau. Quand on parle du bois, c'est très important. Le travail au millimètre, la question d'étanchéité à l'air qui se pose de plus en plus. Et puis, le travail d'architecte qui était naissant pour moi, en tout cas en libéral, qui était celui d'écouter un client. Et on a eu de grandes discussions avec ma cliente sur ce projet. Voilà, et au terme de ce projet, j'étais sûr de vouloir continuer à construire en bois, mais j'avais quelque part plus de questions que de réponses. Et en fait, ça a eu la conséquence d'ouvrir les choses avec un impératif qui était d'aller chercher des réponses, en particulier sur la question de l'isolation, de la performance, du confort d'été. Ça a ouvert des tas de questions nouvelles qui m'ont amené à réviser un peu ma posture de jeune architecte. Un petit clin d'œil à Christophe qui a fait cette caricature il y a quelques années. Je sais qu'il nous écoute là. Ça m'obligeait à me dire qu'il fallait que je reste un étudiant en fait. Je m'adresse aux étudiants qui suivent cette présentation. Vous allez continuer à être des étudiants, même après dans votre pratique. Et il faut rester un étudiant, je trouve, quand on est architecte. Il faut continuer à se former, c'est indispensable. Et quand on fait du bois, c'est incontournable. Il faut aussi, descendre de l'architecte. On vous dit à l'école que vous êtes des concepteurs et que vous savez faire plein de choses, ce qui est vrai. Mais on ne sait pas tout. Et quand on est amené à travailler avec un matériau comme ça, qui est exigeant, il faut travailler en partenariat avec les gens qui en savent plus que vous, et les charpentiers, ils en savent plus que nous sur le bois. Donc, il faut absolument avoir une posture de partenaire et de sachant. C'est vraiment important. Et je n'ai pas abandonné cette idée à tel point que ça a modifié même ma façon d'exercer ce métier. Voilà, il m'est apparu que le bois, c'était une chance pour moi parce que ça me permettait de me distinguer de mes confrères. Je ne connais pas de député, je n'ai pas de papa qui était architecte. On est nombreux sur la place et à un moment, pour trouver du travail, ça vaut le coup d'être un peu différent des autres. Donc, ça a été ma posture à moi de, sans se prendre au sérieux, d'essayer de me distinguer par ce savoir-faire sur le bois qui était un peu particulier en Provence, qui n'était pas évident. Du coup, on n'était pas nombreux et on est venu me voir pour ça. Et puis, élargir son champ de vision, j'en ai parlé, mais surtout prendre conscience. Prendre conscience que le matériau bois, c'est un matériau qui vient de quelque chose de vivant, qui a poussé. Qui prend conscience que quand on construit en bois, ben un jour, ça retournera à la terre. Et l'idée me plaît plutôt, je dirais. Et que ça évoque aussi bien pour nous, mais surtout pour les clients, quelque chose qui nous renvoie à la matière, au confort, aux odeurs, à une expérience souvent affective. La plupart des gens qui viennent nous voir, ils connaissent le bois. Et en général, on accepte de travailler avec ceux qui connaissent le bois parce que je l'ai dit, il y a des poncifs et il faut lutter contre des idées reçues. Par contre, ceux qui ont fait l'expérience de la construction bois, je me tourne un peu parce qu'il y a du soleil, de la construction bois et qui ont vécu un peu là-dedans, ils sont convaincus et ça les renvoie beaucoup à ces histoires d'odeurs, d'expériences affectives, de fertilité, de croissance. Ça renvoie à la notion aussi d'écosystème, bien sûr, puisqu'on a affaire à quelque chose qui est issu d'une plante, finalement.
Et je trouve intéressant de raccrocher la fertilité à la démarche architecturale. On parle de plus en plus d'architecture fertile et ça replace notre acte de construire dans la chaîne du vivant. Et je trouvais que c'était quelque chose qui était assez fondamental et qui donne beaucoup de sens à notre métier. Cette prise de conscience, bien sûr, nous renvoie à un deuxième contexte bouddhiste. Alors, ces concepts bouddhistes, je m'attendais pas en fait à vous parler de bouddhisme. Je suis pas bouddhiste, hein, mais je me rends compte que ces concepts-là, ils sont au centre de ce qu'évoque cette construction en bois. C'est la notion d'interdépendance. Je vous ai mis une illustration qui est le jardin du Rionji à Kyoto, où on sent bien en fait cette interdépendance entre un espace construit qui est moitié intérieur-extérieur et un jardin zen qui est un peu la représentation du monde. On peut dire que c'est un peu le symbole du monde végétal, du monde en général. Et dans ce lieu, c'est fantastique. Moi, j'ai vécu une expérience assez incroyable. Je crois qu'il pleuvait ce jour-là. Je suis resté à peu près 5 heures juste à regarder ce parterre de gravier et de rochers. Et on comprend bien que les choses sont liées entre elles quand on est dans cet endroit. C'est un peu la magie de l'architecture, d'ailleurs, de celle-là en tout cas. Et on comprend qu'on ne peut pas être architecte et pas prendre conscience de cette interdépendance des choses. Voilà, quand on construit un bâtiment, ce n'est pas anodin. On le construit pour des gens, mais on est dans un contexte, on est relié au monde. Donc, quelque part, cette prise de conscience, c'est l'écologie, puisque c'est la science de ces interdépendances. Et construire en bois, ça nous amène à construire forcément écologique. C'est obligatoire. On peut pas faire l'impasse de ça. On peut pas se dire on construit en bois parce que c'est à la mode et zapper tout le reste. C'est absolument impossible. Donc du coup, ça a élargi ce champ de vision et ça m'a amené naturellement à l'écologie et à la question. Qui est centrale maintenant, je trouve, pour les architectes, c'est celle du développement durable ou soutenable. Donc, j'illustre souvent cette notion qui est un peu large et confuse des fois par ce dessin de Moebius, qui me semble un bon compromis d'architecture et de monde végétal. Et une idée qui nous lance un peu, qui est inspirante. Voilà, en tout cas, ça a été assez vite une évidence pour moi qu'il fallait s'engager là-dedans. C'est pour ça que dans le titre de cette conférence, je parlais d'engagement, parce que c'est un vrai engagement et mes confrères d'Envirobat le savent bien. Pour être cohérent dans la démarche constructive, on est obligé. Le bois, on peut construire en bois, mais je trouve que pour aller plus loin, il faut aussi parler de biosourcé. À chaque fois qu'on construit en bois, on a une démarche qui associe des matériaux biosourcés au maximum. Construire en bois, c'est évidemment réduire l'empreinte écologique de chaque bâtiment et améliorer son bilan carbone. Je pense que ces notions, elles sont bien connues maintenant d'un peu tout le monde. Ce qui est moins connu, c'est que c'est quelque chose qui aussi est tout à fait dans la recherche de performance énergétique, dans la recherche de confort, de frugalité heureuse. On a un mouvement avec des gens qu'on aime bien qui s'est lancé il y a quelques années, qui pousse à aller vers ce qu'on appelle la frugalité heureuse. Je trouve qu'en architecture, en construction bois, on y est tout à fait. Et également, cette notion de low-tech, c'est-à-dire de privilégier le moins d'équipement technique possible. La concrétisation de toute cette démarche, en fait, en architecture, c'est la démarche bioclimatique. C'est-à-dire que là, on voit qu'on part du matériau, qu'on se rend compte qu'il faut maîtriser une technique, que cette technique, par des premiers essais, elle nous amène à ouvrir son champ de vision et que ce champ de vision, il nous amène naturellement aux questions de développement durable
et quand on est architecte à cette démarche bioclimatique. Cette démarche bioclimatique. Alors, expliquer ça en 5 minutes, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai fait ça un peu formel. Je suis allé chercher la définition. Je vous la livre. Une démarche de conception appliquée à tout acte de construire qui prend en compte un certain nombre d'éléments permettant de concevoir et de construire des bâtiments répondant aux enjeux environnementaux actuels. Bon, c'est un peu très large comme définition. Moi, ce que je trouve important, c'est qu'elle donne du sens à notre action d'architecte. À tel point que même quand on ne nous le demande pas maintenant, on le fait, on l'intègre dans la conception. Et que je trouve que construire un bâtiment actuellement et ne pas le faire en bioclimatique, c'est une hérésie. Donc, les quelques outils de cette démarche, c'est le contexte, bien sûr, puisque un bâtiment, ça s'inscrit dans un contexte et on doit faire avec les éléments naturels. Et on doit instaurer ce dialogue nécessaire avec les éléments naturels. On doit aussi remplir, grâce à ça, des objectifs de confort, d'ambiance, de performance énergétique. Il y a une question de matériaux. Il y a une question de gestion de l'eau également et des ressources. Et il y a une vraie pensée de filière derrière ça, en particulier quand on construit en bois. Donc, s'engager là-dedans pour un archi, c'est un engagement important parce que ça veut dire aussi continuer à se former. On maîtrise la construction bois, maîtriser la démarche bioclimatique et toutes les problématiques qui sont liées à ça, ça oblige à plus de formation. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Ça demande du temps en plus de tout le reste. Et ça demande une certaine aussi posture d'humilité, je trouve, d'écoute et d'acculturation. D'acculturation à ce qui n'est pas notre culture d'architecte et en particulier d'aller vers la culture des ingénieurs et des thermiciens. Et c'est un vrai boulot d'aller vers eux. Comme eux, ils font l'effort d'aller vers nous. C'est un peu l'objet de l'association Envirobat et de tout ce qu'on essaie de développer au sein de cette asso. Et donc, de travailler en équipe. Donc, le travail en équipe, c'est fondamental. Et la découverte de tout ça, ça a été un vrai fil rouge pour moi, qui s'est exprimé par les projets qui suivent. Je vais essayer de faire vite parce que je suis bavard. La maison T37 à Fuveau, qui a été la première maison évaluée dans le cadre de la démarche bâtiment durable méditerranéen. Elle est hors en conception, en réalisation et en fonctionnement. Et pour moi, c'était le projet qui devait faire exploser le bois, réellement. C'était le projet où je devais tester vraiment mon savoir-faire, en tout cas l'apprentissage du bioclimatique. De fait, c'est un projet où je me suis frotté au thermicien pour la première fois. Et c'est un projet dans lequel on a interrogé, en tout cas, j'ai commencé à interroger fortement la qualité architecturale. Parce que quand on parle de bâtiments performants, on a souvent une approche technique qui des fois est assez pauvre au niveau architectural. Donc ce projet-là, il était intéressant. Il y avait une vue exceptionnelle sur la Sainte-Victoire, un terrain pas très favorable, à vrai dire, qui était une jonction de plusieurs parcelles en pente vers le nord, très allongé, très étroit, avec un masque solaire important au sud. Une pinède qui était un espace boisé classé, donc surtout on ne touchait pas. Vous voyez en jaune sur ce croquis la zone constructible. Et donc, on est venu se loger dans le cône le plus étroit de la zone constructible de ce terrain qui permettait de dégager une façade sud qui prenait le soleil même en hiver. C'était important pour la démarche bioclimatique. Et donc, c'est vraiment le terrain et les contraintes bioclimatiques qui ont écrit ce projet, en plan masse, mais aussi en coupe. La forme du terrain, elle était importante, son dénivelé également. Donc, c'est une maison dans laquelle on rentre au R+1. On est en pleine campagne, mais on a presque une approche urbaine là, du projet. Donc, les espaces de vie sont au niveau 1. Ça tombait bien parce que c'était au niveau 1 qu'on voyait la Sainte-Victoire et on trouve les chambres au rez-de-chaussée qui s'ouvrent sur une sorte de patio intérieur. Une petite vue de ce projet qui est un mix bois-béton. Hein.
On a eu besoin, pour des questions de structure et d'inertie thermique, d'apporter un peu de béton au rez-de-chaussée. Et on voit qu'il y a un porte-à-faux. C'était une contrainte supplémentaire. L'assainissement autonome est venu se glisser sur le volume en bois. On avait des contraintes de recul, de canal, etc. Voilà, donc un projet très contraint, mais qui a été une chance. Quelques images du chantier, ça commence par du béton. Et oui, mixité de matériaux. Et puis, on a des structures. Donc, ce projet, c'était vraiment… on y est allé, quoi. On a une structure sur trois niveaux qui était importante, entièrement en bois. Et c'est encore ETEC Bois là, qui m'a accompagné, ingénieur bois, sur ce projet, sur lequel on a beaucoup travaillé la lumière, la protection solaire et tout ce qui était enveloppe du bâtiment. On a une fibre de bois extérieure recouverte de bardage. Grand combat avec la mairie d'ailleurs de Fuveau qui nous a obligés au début à mettre de l'enduit en façade pour obtenir le permis. On a réussi par un deuxième permis à avoir du bardage après que cette maison ait été identifiée comme assez remarquable grâce à la démarche BDM. Voilà quelques images. La façade donc est étroite, 15 mètres de large, qui fait les trois niveaux. Hein. Elle est en R+2. On a une suite parentale à l'étage et un bureau. Et donc, un résultat architectural dont je suis assez fier, j'avoue, mais qui est beaucoup écrit par les réponses qu'on a eues sur la démarche bioclimatique, et en particulier sur la gestion du solaire et de la protection solaire. Donc, on arrive par cette passerelle sur une terrasse qui est plein sud, couverte par une pergola avec une façade qui protège le niveau R+2 du soleil d'été, avec un grand brise-soleil qui est comme une sorte de store vénitien. Une image de l'entrée avec cette terrasse, donc la vue qu'on voit sur le sud, et un grand volume ouvert pour les espaces de vie. On rentre dans la cuisine directement et ensuite on trouve un séjour avec une fenêtre qui s'ouvre sur la Sainte-Victoire, qui la cadre et qui a été un peu le cauchemar des thermiciens. Et quand on a fait les calculs, ils me disaient « mais ça ne va jamais marcher, ça va plomber ton bilan thermique » puisqu'on a une fenêtre ouverte plein nord et plein est sans protection solaire qui au final ne plombe rien du tout puisque là j'ai tenu bon là, ça a été le caprice de l'architecte, mais au final on se rend compte que cette maison… elle a été calculée comme étant BBC et finalement, au réel, elle est passive, en réalité, sur un retour d'usage qu'on a fait. Donc, une vraie démarche de notre part sur cette protection solaire et essayer de faire en sorte de sublimer la lumière naturelle à l'intérieur. Voilà quelques images. Je vais un peu vite parce que je crois que je traîne, je n'ai pas pris de montre. Donc, c'est un projet qui, je l'ai dit, était calculé en BBC, se relève passif, alors qu'on avait vraiment une forme et un site défavorable. Un retour d'usage excellent, très bon confort d'été. Les clients sont vraiment appropriés ce projet, ont compris comment il fonctionnait. Et je peux dire qu'on a eu vraiment un faisceau convergent entre une démarche bioclimatique, technique, et thermique, mais aussi architectural. Et ça m'amène à évoquer la troisième notion qui était dans l'énoncé, qui est celle de qualité architecturale. Et là, on voit que sur ce projet, je n'ai pas eu de réflexion particulière sur la qualité architecturale, mais cette maison, elle montre vraiment que quand on a cette démarche qui a du sens et qui s'appuie sur la démarche bioclimatique, la qualité architecturale, c'est vraiment une conséquence et pas un postulat de départ. Voilà, bon, c'est une réflexion de fond qui s'est engagée il y a des années chez BDM, cette question de qualité architecturale dont je vais parler un peu plus. Comment on peut la qualifier? C'est quoi la qualité architecturale? Ça, c'est une grande question encore. J'ai posé un peu des questions à mes collaborateurs, comment ils voyaient ça. On a une vision qui est souvent
qui a une lecture un peu réservée là-dessus. Un peu le précaré des architectes, je dirais. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. On peut l'évaluer sur des éléments factuels comme l'inscription dans le site, la notion d'espace, de volume, de proportion. On rentre dans le domaine du subjectif quand on parle de qualité architecturale et c'est normal parce que assez vite, l'architecture c'est beaucoup assimilé à un art en France et ailleurs d'ailleurs, et qui dit art dit subjectivité souvent. Donc dans la qualité architecturale, il y a aussi cette notion-là de subjectivité. En tout cas, c'est ce que pensent la plupart des gens. Pour moi, le design et le dessin d'architecture, l'esthétique, ça vient en dernier lieu. Mais il y a ce petit quelque chose en plus qui fait qu'un projet, à un moment, on dit il est de qualité, il a une grande qualité architecturale ou il n'en a pas. Donc, c'est un vrai objet de polémique. C'est difficile à évaluer. Ça a été un vrai débat. Quand on parle avec la plupart de nos amis et des gens qu'on connaît, tout le monde a un avis là-dessus, parce qu'en France, c'est bien connu, tout le monde fait l'architecture. Ça nous énerve beaucoup, nous les architectes d'ailleurs. En tout cas, moi, je dirais que les projets qui ont une vraie qualité architecturale, en général, c'est ceux qui… Il y a une sorte de consensus qui se fait. On n'arrive pas toujours à l'exprimer, les gens ne l'expliquent pas forcément, y compris les architectes, mais les projets de qualité, ils sont souvent reconnus. Et je pense que ça, c'est un élément qui permet au moins de l'identifier, en tout cas de reconnaître qu'il y a cette présence-là ou pas. Pour nous, à l'agence, en tout cas, c'est une notion qui dépasse la seule architecture, qui est complètement liée à la démarche qui fait sens ici, qui est celle de la démarche bioclimatique. Et je dirais que c'est une notion qui, pour exister, doit être partagée. Donc, c'est pas pour moi juste le précaré des architectes. C'est une notion qui doit renvoyer à des choses de l'ordre de l'affectif, mais aussi du visuel. Pour nous, l'architecture, c'est arriver à fabriquer des lieux dans lesquels il y a des lieux qui dans lesquels il y a du sens et qui font appel à des tas de notions. Et donc, la qualité architecturale, c'est pour moi avoir réussi à créer ce lieu, hein, un espace où qui a une âme, qui est habitée, qui est confortable, dans lequel il y a une vraie, ce qu'on appelle une cohérence durable chez BDM, et qui est en cohérence avec son environnement et avec les demandes qui ont été faites au départ par les clients et par le programme. Donc, comment évaluer cette qualité architecturale? On s'est essayé à quelque chose chez BDM qu'on appelle la cohérence durable. Alors, on peut se demander, et c'est l'objet d'un débat qui est sans fin, si c'est un fourre-tout ou si c'est un nouveau concept. En tout cas, c'est une notion, cette notion de cohérence durable qui fait à la fois appel à de la qualité architecturale et donc à une certaine forme d'évaluation, au consensus, puisque au sein des commissions, il y a des projets qui font consensus et qui sont déclarés comme étant de qualité. Et à toutes ces questions de démarche bioclimatique. Il y a une sorte de faisceau convergent entre cette notion qui pour moi doit être partagée et qui n'est pas le seul précaré des architectes et qui doit faire sens à travers cette démarche bioclimatique. Voilà, donc c'est un peu un joyeux mélange et c'est notre avis à l'agence en tout cas. Je continue sur les projets. Oui. Vous parlez de ces notions et pour les illustrer. Peut-être un projet parce qu'on est à midi. On est à midi. Ok, très vite. Donc le Taki, un projet qui s'appelle le Taki Guilleux qui m'a permis de réintégrer, de revisiter un peu le Japon et de l'intégrer à mon architecture. Projet tout en bois qui m'a poussé aussi à formuler à la naissance d'un concept que j'ai appelé le Taki qu'on a développé à l'agence. Donc, ce projet, il est à Marseille, à Saint-Julien, une petite extension
d'une maison existante au fond d'un jardin, réalisé par les arbres bâtisseurs, charpentiers et Tecbois à l'époque, qui était mon bureau d'études. Voilà, c'est un petit projet de 60 mètres carrés qui m'a vraiment permis de formuler ce qu'on appelait le concept acquis, qui est donc le concept acquis, qui est en fait une réflexion sur comment utiliser les atouts de la construction bois, la préfabrication, la réflexion modulaire, en essayant de formaliser une trame constructive qu'on a déclinée en trois versions ensuite et qui permettrait de préfabriquer à peu près 80% des bâtiments, ces bâtiments étant du coup assemblés très rapidement, étant bioclimatiques et voire positifs, et pouvant également participer à une réduction des coûts pour aller vers ce qu'on défend chez les BDM, c'est une massification du bâtiment durable, et ça passe par le prix de construction, évidemment, aussi bien que par les performances et le confort. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a développé et qu'on continue à développer assez fortement, cette démarche, ce concept acquis, qui permet de faire toutes sortes de bâtiments, de l'extension, de la maison individuelle, du collectif, qui se décline en trois niveaux, qui correspond souvent à soit des contextes différents, soit des échelles de projets différentes, avec des notions de flexibilité, de diversité de projets, des notions effectivement également d'architecture bioclimatique, puisque c'est une trame orientée avec des éléments bioclimatiques qui sont partie inhérente de la trame, comme ces protections solaires ou cette pergola, une réflexion sur la thermique, bien sûr, et puis un enchaînement de projets. Donc, ça fait à peu près 12 ans qu'on travaille sur ce concept et on a jusqu'à présent réalisé 7 bâtiments avec 6 bâtiments réalisés et 7 en projet là. Avec ce concept, cette petite maison qu'on a livrée l'année dernière, petite maison individuelle à Vachères. Voilà, et puis des développements qui sont en cours sur pas mal de domaines, en particulier sur l'habitat collectif. Je vais le montrer par un autre projet et toutes sortes de choses en fait. Un autre projet qui fait toujours partie de la démarche, donc en réfléchissant, en se perfectionnant la maîtrise de la technique et en continuant à poursuivre nos recherches sur la construction en bois, on a eu des demandes de projets qui étaient principalement sur la rénovation. Et qui dit rénovation dit travailler sur l'existant et souvent sur de l'extension. Donc ça, c'est un projet que j'ai commencé en 2006, donc il y a 13 ans. 14 ans maintenant, qui est la maison d'un charpentier. Il avait acheté cette maison. Il voulait l'agrandir et la faire évoluer. Il voulait en même temps que ce projet devienne un peu le projet phare de ses réalisations. Donc, il l'a fait lui-même. Ça explique un peu la durée du chantier. On est en fin de chantier actuellement. Un projet qui s'est agrandi devant, derrière, à l'étage, qui est assez étonnant, avec une crête de gremlins là, sur la toiture. Voilà les images de ce que c'est actuellement. Donc, c'est un projet habité, puisque le chantier s'est fait en site habité. Il y a deux logements dedans, un à l'étage et un au rez-de-chaussée. Et c'est intéressant parce que c'est une maison qui… Le charpentier ne connaissait pas trop la démarche bioclimatique et l'a expérimenté en fabriquant ce projet. Il est convaincu maintenant et donc, voilà ce que devrait devenir cette maison cette année, puisqu'on est en train de… Il est en train de finir le bardage extérieur et les revêtements. Donc, une maison à Marseille, dans le 12e arrondissement, qui est un projet que j'aime beaucoup, parce qu'il est vraiment hors norme et très performant. Avec voilà. Un autre projet qui est aussi de la rénovation et de l'extension qu'on a livré l'an dernier pour l'association Les Petits Frères des Pauvres à Marseille. Donc là, on a changé d'échelle puisque c'est un bâtiment assez important qui fait plus de 500 mètres carrés, où on nous a demandé de faire de l'extension, une salle d'activité et diverses extensions. Et,
Et donc, l'enjeu, c'était vraiment d'unir le neuf et l'ancien grâce à cette démarche bioclimatique et de construction bois. On a une démarche bioclimatique sur le neuf pour cette salle de réunion d'activité et une démarche de rénovation biosourcée pour le reste du bâtiment qui se situe dans le 12e à Marseille avec entouré d'un jardin qui fait plus de 1 hectare. C'est un lieu d'accueil pour les personnes âgées. Ça fonctionne le jour. Hein. À l'étage, il y a des bureaux. Au rez-de-chaussée, donc un lieu d'accueil pour personnes âgées. Et alors, l'originalité de ce projet, c'est que les petits frères ont commencé par faire un projet sur le jardin avant de s'occuper du bâtiment. Donc, il y a eu tout un projet de rénovation du jardin qui était vraiment qui est un lieu fantastique, hors du temps, je dirais. Et ensuite, on s'est occupé ils ont lancé un petit concours qu'on a gagné pour rénover le bâtiment et l'agrandir. Donc, une salle d'activité qu'on a complétée par une sorte de patio extérieur. Et puis derrière, un accès indépendant pour les bureaux à l'étage qui sont venus se greffer en cours de projet, puisqu'on a reconfiguré en fait l'ensemble du bâtiment et qui ont été complétés sur le côté par un petit volume qui s'est rajouté, qui a permis de faire une salle commune pour les salariés. Voilà quelques images, une image de l'esquisse du concours et de la réalisation. Donc ça, c'est la salle d'activité qui a été rajoutée donc en structure bois, isolée par l'extérieur, avec une attention à une conception bioclimatique qui s'ouvre sur ce patio. Une image du projet de la réalisation. Vous voyez qu'on est à l'agence, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit au maximum. Quelques images du chantier qui a été réalisé par Martin Charpente. Toujours lui. C'est une petite entreprise de charpente familiale marseillaise et c'est celui qui avait réalisé mon premier projet à la Pointe Rouge. Vous voyez qu'on est fidèle à nos artisans. Donc, une salle d'activité dont voici quelques vues intérieures. On a quelques jolis vitraux qu'on a dessinés, que ma maman a réalisés. Voilà, ce projet, on y a mis beaucoup d'énergie. Je suis très attaché à ce lieu. J'y retourne régulièrement. Le bureau d'études thermiques qui m'a accompagné, c'est Biodynamique UE, qui est anciennement à Thermia, Armand Dutrex et Sébastien Rissman. Ce projet a été l'objet aussi d'expérimentations au niveau thermique et qui fait l'objet d'une valorisation en démarche BDM. On est en conception or et réalisation or actuellement. Le suivi est à faire bientôt. Avec, vous voyez, tout un parcours grâce à ces pergolas, un parcours PMR qui est à l'ombre et dans lequel on a fortement mélangé bâti et végétal. Le patio est un vrai lieu de vie, y compris en hiver. Donc il y avait cette petite terrasse qui existait avec cette belle vigne qu'on a conservé, qu'on a complété par une pergola et tout un ensemble de glycines. Voilà quelques vues avant-après de la partie arrière également, qui s'est fait en construction BA, qui a permis de créer un accès indépendant pour tout le niveau 1 qui a accueilli le siège régional de l'association. Et un petit volume qui est venu rattacher au bâtiment, qui a permis aussi de rénover la cuisine entièrement. Puisqu'il y a un cuisinier à demeure qui fait des repas pour les accueils. Voilà un projet qui est vraiment une réponse au jardin, principalement, et à ce programme d'accueil comme étant un lieu de vie. Pour finir sur le taquis, on a un projet actuellement qui est une extension avec 3 trams taquis. Je l'ai mis dans ce parcours parce qu'en fait, après une dizaine d'années de recherche sur ce concept, on a eu le soutien de l'ADEME et de la région pour terminer notre recherche et développement. Ce projet est le prototype qu'on a proposé à l'ADEME et à la région et on est en fin de chantier actuellement. Voilà, ça m'a permis de à la fois finir l'aboutissement technique du concept acquis qui n'est pas vraiment fini d'ailleurs, qui s'améliore à chaque chantier, et en même temps de questionner ma pratique d'architecte.
Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en gros, on est devenu, on a monté une société commerciale à côté. On est devenu, à côté de la structure de l'agence, contractant général, architecte contractant général. Donc, la société s'appelle Hawky Construction. Donc, le projet précédent est notre deuxième chantier qu'on réalise en contractant général. L'objet, surtout, ça a été à la fois de questionner ma pratique. J'avoue que j'en pouvais plus de cette triangulaire maîtrise d'ouvrage, entreprise, architecte, qui ne fonctionne pas vraiment bien en marché privé. Ça marche bien en marché public, mais les gens, les privés, les particuliers ne comprennent plus trop ce fonctionnement-là. Et en plus, c'était aussi l'occasion de développer ce concept acquis. Donc, on a sauté le pas il y a 2 ans et je suis content de cette nouvelle expérience, je dirais. Voilà. Et en parallèle à l'agence, l'apparition de projets fertiles, entre guillemets, qui sont en cours. Là, c'est un restaurant qui fonctionne à l'énergie solaire. La cuisine va se faire à l'aide de 2 paraboles solaires. Et donc, cette jeune équipe du Présage nous a confié la conception et la réalisation de leur restaurant. On a obtenu le permis. On est en cours de DCE actuellement. Et ce projet est complété par un jardin nourricier. Donc, il y a une vraie, on rejoint vraiment l'idée de l'architecture fertile avec du bâti et du végétal. Un autre projet qui démarre actuellement, qui est un projet avec un promoteur privé sur Tournon-les-Bains, où on a également des petits immeubles réalisés avec des concepts acquis et toute une démarche sur un bout de quartier durable, en fait, en plein Tournon-les-Bains, donc on va avoir aussi une certaine fertilité qui va se développer avec la rénovation de ce château classé, donc qui commence aussi à mélanger de la rénovation. Et puis un dernier projet que je voulais vous présenter, qui est le projet de l'année pour l'agence, que j'ai appelé projet synthèse, qui réunit à la fois bioclimatique, rénovation, puisqu'on est en logement social sur la commune d'Espinasse. On a donc une rénovation de logement existant sur lequel on a des exigences de performance, d'innovation technique, sur lequel on a donc tout un quartier qui sur lequel il y a une centaine de logements. Nous, on a notre projet porte sur la partie orangée, qui est une sorte de bâtiment de projet démonstrateur sur un îlot, avec une idée de réplicabilité sur le reste du quartier ensuite. On a gagné ce concours l'année dernière en proposant en fait d'utiliser le programme, c'était rénovation BBC des logements existants et construction de logements neufs en BEPOS. Donc on a utilisé en fait le fait d'avoir des logements neufs pour proposer ce qu'on appelle et ce que Robert Seller, mon ami thermicien qui doit nous écouter, a formulé comme étant de l'équité bioclimatique. On avait travaillé sur un projet ensemble sur Aix pour le Jazz de Bouffant où il avait formulé ce concept et qui a été repris et que je trouve vraiment intéressant et qui se développe fortement dans ce projet puisque les logements neufs nous permettent, grâce à une démarche modulaire à la fois sur le paysage et sur l'utilisation de notre âme taquie, d'avoir un projet réplicable à l'ensemble du quartier dans un avenir assez proche et d'avoir une vraie réflexion à la fois sur la rénovation de l'existant mais aussi sur le bâtiment neuf en mixant les choses entre elles. Donc on a en orange des bâtiments neufs qui vont être construits, des logements. On a certains de ces logements neufs qui vont venir en surélévation de l'existant, qui vont également être rénovés et tout ça va, l'objectif est d'aboutir à un ensemble. Donc, on utilise notre trame taquis pour venir faire les immeubles neufs, mais aussi pour venir surélever, créer des logements neufs au-dessus de logements existants en surélévation. Voilà quelques images de ce qui va être fait à la fois sur la rénovation durable, sur la surélévation des logements existants par du neuf et sur les logements neufs en R+1. Et une réflexion globale, en fait, aussi bien sur l'existant que sur le neuf, sur ce qu'on appelle une bande bioclimatique. Voilà quelques images architecturales. Principe de surélévation. Donc, on reconnaît les trames taquis au-dessus.
Et une réflexion sur la bande bioclimatique qui est en fait un mélange de terrasses, de jardins et de capteurs solaires passifs, donc qui s'exprime par une serre solaire, une serre bioclimatique, et qui va être positionnée à la fois devant les logements neufs et devant les logements existants réhabilités ou surélevés. Voilà quelques images rapidement. Donc voilà quelques images de la serre et de la structure bois des immeubles neufs et quelques images des logements existants. Vous voyez qu'ils sont c'était des logements faits pour les ouvriers du barrage à l'époque, en préfabrication déjà. Et voilà ce que devrait devenir le projet. Quelques images pour terminer. J'étais un peu long. Avec un programme intéressant au sein de ce complexe qui est une maison en partage qui va accueillir des personnes âgées qui habitent déjà sur le quartier, qu'on va réunir autour d'un tiers-lieu, d'un petit espace commun avec un jardin potager commun pour leur offrir une alternative à la maison de retraite, à ces gens qui sont âgés mais indépendants et permettre de les accompagner dans la vieillesse. C'est un programme vraiment intéressant. Je suis ravi de travailler là-dessus avec toujours ces bâtiments réalisés, y compris l'espace commun avec notre âme taquille. Voilà, pour conclure, je dirais que le bois, vous l'avez compris, ça a structuré toute ma démarche professionnelle et que ça m'a permis d'aboutir à formuler notre fil rouge, en fait. Je dis ça souvent aux étudiants, essayez de trouver votre fil rouge. Et notre fil rouge, nous, c'est construction bois, architecture bioclimatique et réhabilitation durable. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, à l'agence. Voilà notre agence d'ailleurs, pour être en cohérence, on est dans du bois, bien sûr. Un petit volume en bois qui est une extension d'un garage qu'occupait ma femme et qui est devenue l'agence dans lequel cette année, on a réussi à avoir des yuzu, figurez-vous, des agrumes, et dans lequel on a du plaisir à accueillir nos partenaires. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. Donc, effectivement, il y a eu assez peu de questions, mais je pense que ton intervention était passionnante et du coup, tout le monde t'a bien écouté sans trop discuter sur le chat. La première question qui était apparue, c'était sur l'inertie thermique, l'inertie des bâtiments. Comment tu gères ça, notamment par rapport au confort d'été? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ouais. Alors, l'inertie en construction en bois, c'est une problématique récurrente. On allie souvent des matériaux à forte inertie aux structures en bois. On l'a vu pour la maison T37, on a une dalle béton et des refends en béton. Donc, c'est ces matériaux-là qui permettent de faire un apport en inertie important et à gérer l'inertie thermique en sachant que, je crois qu'Olivier Gaujard nous écoute, il a formulé il y a plusieurs années le concept d'inertie répartie qui est très adapté aux constructions en bois dans lequel on a vraiment une inertie juste en fait. On a besoin de moins d'inertie en construction en bois que dans un bâtiment classique puisqu'on a un volant thermique qui est plus court. Donc on travaille, on fait attention à apporter suffisamment d'inertie mais pas trop. Et en général, ça se traduit par des chapes béton rapportées sur des planchers bois ou des planchers béton, voire des refends intérieurs en béton, ce qui des fois nous permet de réduire aussi les structures bois en elles-mêmes. Je vous demande deux petites minutes. Oui, on profite puisque Olivier est là, Robert Seller aussi est là. Et Olivier, Robert, est-ce que vous souhaitez apporter un complément? Si c'est le cas, allumez votre micro, peut-être. Ouais, si vous voulez, enfin, Olivier, à toi la parole. Je parlerai après. Robert. Olivier, tu es là? Oui, je suis là, Robert. Vas-y, toi. OK. Bonjour à tous.
bonjour à, enfin, à toute l'équipe, à la belle équipe de Fibois, Envirobat, et aussi un petit salut à mes étudiants. Je vais vous montrer ma sale gueule quelques secondes. Voilà comment je prends. Alors, inertie, effectivement, c'est une espèce de leitmotiv, que tout comme le bois, ça brûle, le bois, c'est fait pour les chalets suisses, etc. D'abord, il faut savoir que l'inertie est un des... Je fais version courte, hein, promis. L'inertie, c'est un des axes conceptuels du confort d'été. Vous savez que la première chose, avant de se préoccuper de l'inertie, c'est de se préoccuper de la protection solaire, de se préoccuper de pouvoir ventiler le bâtiment. Et d'ailleurs, ta maison avec la vue sur la Sainte-Victoire, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet aussi une ventilation traversante, Jérôme, tout ça, donc voilà. Ouais. Bon, ensuite, c'est aussi lutter contre l'ennemi numéro un, qui est les apports internes, c'est-à-dire tous ces éclairages, ces équipements électriques qui apportent de la chaleur. Une fois qu'on a fait tout ça, on a déjà fait les 3/4 ou les 80% du boulot, et ensuite, on va chercher un peu d'inertie. Donc, l'inertie, on l'a souvent de manière assez fatale, parce qu'on a souvent une dalle en bas, qui est souvent en béton, mais qui peut être aussi plus écologique, en terre ou tout ce qu'on veut. Et puis, on a aussi, et c'est, Jérôme l'a dit, le fait que le bois va souvent de pair à des isolants biosourcés, notamment qui ont aussi pas mal d'inertie, notamment la laine de bois, etc. Et autre élément aussi, et ça, Jérôme le fait dans ses bâtiments, on peut aussi amener de l'inertie à l'intérieur des bâtiments, par exemple dans les refends. Quand on a un refend inertiel, il va travailler en termes d'échange thermique sur les deux côtés, sur ces deux faces, par rapport à un mur extérieur qui travaille sur une face. Par conséquent, avec deux fois moins de surface inertielle, on arrive à compenser le fait qu'on n'ait pas forcément de l'inertie dans les buts. Dans les murs. Donc tout ça, ça amène à faire des réalisations. Voilà. Si on veut être en version écologique top, évidemment, on travaille plus avec de la pierre ou de la terre, du pisé, etc., qu'avec du béton. Mais en tout cas, on arrive, et les résultats sont là, les mesures, etc. Il y a pas mal de gens qui bossent là-dessus, on y bosse aussi, que ces bâtiments boîtes, qui déjà, intrinsèquement, sont déjà très bien protégés du soleil au niveau de l'enveloppe en général, et a fortiori, si on travaille aussi sur les façades vitrées, conduisent à des performances thermiques d'été surprenantes. Parce que globalement, dans l'acceptation populaire, les gens se disent « ouais, le bois, c'est effectivement, c'est le chalet, c'est le confort d'hiver, etc. » Et beaucoup sont surpris de voir la qualité du confort qu'on a à l'intérieur, au-delà du fait que le confort est une synthèse de plein de paramètres et que quand on rentre dans un bâtiment, j'étais en train d'échanger là, juste avant avec Yves Perret, s'ils sont bons, s'ils flattent tous les sens positivement, finalement, on en oublie parfois qu'il y a un degré de trop, voire même plus que ça. Donc, franchement, il faut tordre le cou à l'idée reçue que le bois n'a pas d'inertie et que pour le confort d'été, ce n'est pas bon. Voilà, je ne pouvais pas faire plus court. Merci, Robert. Robert. Je dirais que, oui. Juste pour compléter ça, sur le taquis, là, on est en train de... d'essayer de travailler sur un apport inertiel dans les cloisons intérieures aussi. C'est-à-dire mélanger des matériaux comme de l'argile et de la paille avec de l'ossature bois, ça peut permettre de créer des surfaces d'échange sur 5-6 cm qui permet d'avoir un apport en inertie qui est vraiment intéressant. Tu as raison de préciser. C'est important de dire qu'un inertie, une charge inertielle jour-nuit sur 24 heures, les quelques premiers centimètres, les 5-6 premiers centimètres font 70% du boulot. Et ça, on peut le faire assez facilement sans alourdir les structures, etc. Ça peut se faire aussi avec du remplissage de sable, ça peut se faire avec plein de trucs. Ouais. On peut même aussi mettre de la flotte. Si vous avez un aquarium, il est extraordinaire au niveau inertiel, etc., etc. Bon, là, je reviens à tous les vieux concepts parce que tu nous as montré les Earthships de Mike Reynolds, donc ça, dans ces coins-là, à cette époque-là, donc années 80, début des années 80, on mettait aussi des bâtiments des bidons de flotte dans les bâtiments, etc. Bon, bref, j'arrête. Allez, je me cache. Merci. Notre question. On avait une question de Marie Alafort. Est-ce qu'il existe des constructions vernaculaires en bois dans la région méditerranéenne? Ben oui. Au bord de la mer, vous avez des beaux cabanons en bois. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a. Après, je n'ai pas fait l'historique de ça, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu... En fait, une des raisons pour lesquelles le bois s'est pas trop développé en Provence, c'est qu'il y a eu, après la guerre de 14, la guerre de 14 a tué beaucoup de charpentiers, à vrai dire. Et il y a eu un déficit de charpentiers, je crois, juste après la guerre. Mais on a des bâtiments en bois depuis longtemps. Je pense qu'Olivier Gaujard en sait plus que moi là-dessus.
Olivier, tu as des choses à dire peut-être là-dessus? Oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour. J'en sais pas beaucoup plus. En fait, tu as raison. Au sortir de la guerre de 14, la corporation des charpentiers avait été décimée comme le reste de la population masculine essentiellement, ce qui a conduit aux maçons de la Creuse, aux maçons italiens, etc., des gens qui sont venus de reconstruire les dégâts de la guerre, venus de régions périphériques à la zone touchée par la guerre. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut trouver de la construction bois à un sens tout à fait conventionnel partout en Provence, puisque dans la plupart des constructions vernaculaires, on retrouve des planchers en bois, on retrouve des charpentes en bois, on retrouve des menuiseries en bois, des volets en bois. Donc, ce travail du bois, qui était très souvent du pain d'Alep, d'ailleurs, pour ce qui est de la bande littorale, enfin, franchement méditerranéenne, voire du cyprès pour tout ce qui est ouvrage durable en extérieur, notamment tous les volets, les fameux volets provençaux qu'on retrouve partout et qui sont là depuis 150 ans sans aucun problème. Donc il y avait bien une culture du travail du bois qui ne se traduisait pas par des bâtiments entièrement en bois, comme ça peut l'être dans d'autres régions. Néanmoins, la plus vieille maison d'Avignon est quand même une maison à colombage. Hein. Donc, on trouve des témoignages de tout ça. C'est vrai qu'aussi, on est dans une région où la ressource forestière n'est pas, on va dire, idéale pour de la construction. Nos pins d'Alep, qui sont extrêmement résistants du point de vue mécanique, qui sont tout à fait durables, ne sont pour autant, ils sont pas très droits, plutôt tordus, plutôt noueux, donc pas forcément très faciles à utiliser. Mais on compte bien réhabiliter cette essence grâce au collage, c'est-à-dire en utilisant du lamellé-collé qui permet d'utiliser des bois plus courts, de purger des vilains nœuds et du coup remettre à l'honneur dans des proportions beaucoup plus importantes que ce qui existe maintenant. Enfin, ce n'est pas compliqué, vous me direz, parce qu'il n'y a plus grand-chose. Mais voilà, et donc c'est un travail auquel s'emploie Fibois Sud. Je profite pour faire un petit coup de pub à cette association interprofessionnelle dont je suis le président et donc qui est d'ailleurs la co-organisatrice avec Envirobat de cette matinée. Et je m'en tiens là moi aussi parce que ça pourrait nous emmener bien loin. Je compléterai ton propos en disant que la plupart des derniers étages des immeubles à Marseille sont en structure bois, y compris la charpente du toit. J'ai été amené à rénover quelques appartements à la plaine, par exemple, et en fait, on le voit pas extérieurement, mais on se rend compte que quand on attaque les travaux, on a pas mal de derniers étages, là, qui sont en général en retrait des terrasses, qui sont en structure bois, en pin d'Alep souvent, ouais. Avec des planchers qui flambent sacrément, d'ailleurs, dans ces vieux logements. Ben, ils ne se préoccupaient pas trop de dimensionnement et puis souvent, on a au fil du temps eu des superpositions de couches sur les planchers initiaux. Mais ça démontre bien que la capacité de résilience du bois qui se déforme, qui plie mais ne rompt pas, puisque ces planchers sont encore là. Et effectivement, j'ai moi aussi vu des endroits comme ça où on rentre dans une pièce et on la traverse, on descend et on remonte de l'autre côté, mais ce n'est pas forcément désagréable. La dictature de la planéité, ça aussi, ça pourrait être un sujet de conférence. Il est 12h30, alors peut-être on peut prendre une dernière question, mais on a déjà bien dépassé le temps qui nous était imparti.
Est-ce que tu en as choisi une, toi, Jérémy, question? Oui, peut-être une dernière question, puisque en fait, il y avait deux questions. Que, première, quid du rafraîchissement par la végétation externe? Donc, Robert a contribué à apporter un élément de réponse dans le chat, mais je crois qu'on le voit sur tes réalisations, Jérôme. Constamment, il y a ce souci de l'inscription quand même dans un écrin végétal. C'est très présent. Et on sent bien que ça fait partie quand même du dispositif bioclimatique que tu as aussi détaillé. Mais une autre question peut-être un peu plus, où en est-on dans la région sur l'équilibre archi-charpentier biosource? Y a-t-il de la demande, du besoin de ressources humaines et matériaux? Quel est ton ressenti à ce sujet? Est-ce que tu as des difficultés à trouver Alors, il y a quelques années, quand je suis rentré chez Envirobat, je pensais que quelques années plus tard, on serait plein d'architectes. Et je me rends compte qu'on n'est quand même pas beaucoup plus. C'est un peu pareil pour le milieu du bois. Ce que j'ai expliqué, c'est que construire en bois pour un architecte, mais pas seulement, ça demande un vrai engagement en termes de temps et de formation. Et que c'est pas un truc évident, ça demande des remises en cause, c'est une autre façon de travailler, et que du coup, y en a qui vont et qui font un coup d'essai et qui arrêtent. Ceux qui restent, ils s'engagent vraiment, mais quand on connaît la difficulté du métier et tout ce qu'on nous met sur le dos année après année, je comprends qu'il y ait plein de confrères qui n'y aillent pas, quoi. Après, la problématique, c'est les bureaux d'études. Il n'y en a pas beaucoup dans la région des bureaux d'études bois. Avec les années, il n'y en a pas beaucoup qui apparaît de nouveau. Et les charpentiers, c'est un peu pareil. C'est que les charpentiers, les entreprises qui sont sur la route, ces entreprises qui sont déjà anciennes. Mais je crois que Fibois fait tout pour pousser. Et je vais laisser la parole à Olivier pour en parler. En tout cas, il faut qu'il y ait un partenariat qui s'établisse entre les concepteurs et les réalisateurs. Ça, j'insiste. Et ça passe par une autre façon d'exercer ce métier. Je l'ai un peu dit à travers ce système, cette posture d'architecte contractant général. Il faut qu'on devienne des partenaires. Et ça demande de modifier un peu les choses en termes de façon de faire les choses. Voilà. Et, parler du. Oui, tout à fait. Merci à nouveau, Jérôme. Effectivement, Fibois Sud, donc je le rappelle, est l'interprofession régionale de la filière forêt-bois, qui inclut tous les métiers, depuis la propriété forestière jusqu'aux entreprises de construction et autres. Il y a aussi le meuble, les ébénistes, l'emballage, la palette, etc., mais qui aussi intègre les prescripteurs et singulièrement les architectes, puisque l'ordre des architectes est représenté au sein du conseil d'administration. Et nous faisons beaucoup d'efforts, et c'est notamment le travail de Claire qui est avec nous, là, que vous avez entendu tout à l'heure, que de faire de la prescription auprès des maîtres d'ouvrage, d'aller voir les architectes. Et nous avons tout récemment noué des liens renforcés avec l'École d'architecture de Marseille, où l'enseignement de la construction bois est en train de se renforcer, de se développer. D'ailleurs, nous organisons à l'attention des étudiants de cette année un prix des étudiants qui sera remis à l'occasion de la remise du prix de la construction en bois, qui se fera quand on saura un peu mieux comment on s'organise avec les histoires de confinement, etc., etc. Mais ça, Claire pourra peut-être en dire deux mots. En tous les cas, je crois surtout qu'il faut considérer qu'au plan régional comme au plan national, on est en train de passer vraiment dans une nouvelle étape du développement de la construction bois.
C'est-à-dire que la phase, je dirais, pionnière, expérimentale, est maintenant très largement derrière nous et que plein de facteurs concourent pour qu'on ait un développement massif de la construction bois, à la fois des facteurs, je dirais, objectifs, relatifs à la neutralité carbone, pour faire court, hein, aux performances environnementales des bâtiments, etc. Mais aussi, ça se traduit maintenant par une volonté politique, puisque vous avez tous sans doute entendu parler des débats qui ont lieu actuellement autour des propositions du gouvernement sur la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, avec notamment la prise en compte de l'analyse de cycle de vie dynamique qui traduit beaucoup plus fidèlement ce qui se passe dans la réalité pour ce qui est du stockage carbone et qui va promouvoir, si ça rentre effectivement en application, la construction bois. Et pendant ce temps, eh bien justement, on a de jeunes générations d'architectes qui vont arriver aux affaires, si je puis dire. On a des entreprises qui se structurent. C'est le cas dans notre région en particulier, hein, avec des regroupements pour plus d'efficacité. Un travail approfondi sur la valorisation de la ressource locale, que ce soit le pin d'Alep pour ce qui est de la frange littorale ou le bois des Alpes, il y a aussi une association spécifique dédiée à ce travail-là fait un gros travail pour le déploiement de cette utilisation. Et donc, vous avez peut-être vu dans le chat, hein, en répondant à Sébastien Georgis tout à l'heure, j'ai mis un lien avec lequel vous pourrez télécharger sur le site de Bois des Alpes un rapport que je viens de terminer qui rend compte de la stratégie qu'on peut imaginer pour le développement du Bois des Alpes dans les années à venir. Donc, je vous invite à le consulter et puis, si vous le souhaitez, d'ailleurs, je vous invite à participer aux réunions qu'on va faire à peu près tous les mois, qu'on appelle les matinales Bois des Alpes, dont vous trouverez tous les renseignements sur le site de Bois des Alpes. Et la prochaine réunion est dans une semaine, la première réunion de lancement, vendredi prochain, de 9h à midi. Voilà, j'en ai fini avec la pub et ce tableau un petit peu global de justement tout ce qui se passe en ce moment sur la convergence architecture, c'était quoi, construction bois et matériaux biosourcés, autant que je me souvienne dans la question. Merci. Merci, Olivier. Nous allons maintenant conclure ce webinaire et en vous souhaitant un bon déjeuner, un bon midi, et remercier Jérôme Solari qui donc nous a gâté avec une très très belle présentation passionnante sur des choses qui ne sont pas simples, comme il l'a répété, mais nous bénéficions aussi de son expérience à présent. En tout cas, vous savez où le trouver. Si vous souhaitez le recontacter. Et puis, nous tâcherons aussi de monter rapidement cette vidéo et de vous permettre de revoir le webinaire dès que possible. Donc, pour ma part, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce webinaire. Merci à Claire Armand et à Fibois Sud. Merci à Jean-Brice Cordier et au Cofort PACA également de s'être joints à nous pour promouvoir de meilleures pratiques dans l'acte de bâtir. Jérémy, je crois que tu avais le PowerPoint, il est à disposition de ceux qui le demanderaient. Oui, tout à fait. J'ai transmis un lien un peu plus tôt qui vous permet de télécharger les diapositives de Jérôme en format PDF. Je vais le reposter ici en bas maintenant, comme ça vous l'aurez. N'hésitez pas à le copier parce que dès que cette vidéo est finie, vous ne pourrez plus avoir accès. Donc, copiez bien le lien et cliquez dessus. Il pourra être téléchargeable sur le site d'Enviroboîte ou... On peut le mettre sur l'Enviroboîte, pas de problème.
L'Enviroboîte, c'est la bibliothèque du centre de ressources Enviroboîte BDM. Je n'ai pas le lien là sous la main. Ok, ben je vous remercie à tous de votre écoute, patiente et attentive. Et à bientôt sur un chantier, peut-être. À bientôt. Et ben à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci aux copains qui sont venus. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Merci, au revoir. Salut Jérôme. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Au revoir Jérôme. Au revoir. Merci. Au revoir, au revoir Sébastien. Ah oui, salut, au revoir. Si vous mettez votre micro, je vous vois. Hé, hey, Bonton. Salut Jérôme, à bientôt. Salut, à bientôt.